Pour ce qui concerne le Tchad, évidemment, nous sommes un pays de 16 millions d'habitants en Afrique, dans la zone CFA, une zone monétaire plus sûre. Nous avons un voisinage important avec le Nigeria, en plus des autres pays, un pays sécurisé, en sécurité. On a une croissance économique depuis quelques années. Nous avons notre PIB qui a cru, les recettes qui ont augmenté. Nous avons pris des mesures de disposition fiscalo-douanière importantes, et une défiscalisation quasi complète pour les primo-investisseurs pendant un certain nombre d'années. Davantage d'électricité, on monte petit à petit en gamme. Dans les secteurs de l'agriculture, en plus du coton, nous sommes deuxième producteur mondial de gomme arabique, cinquième d'arachide, cinquième africain en arachide, neuvième mondial, du sésame. Utilisé dans beaucoup de composants, les Coca-Cola, voilà, qui est un produit très très recherché. Voilà, nous produisons beaucoup de sésame, beaucoup d'arachide, et d'huile de karité, et nous sommes un pays d'élevage. Oui. Donc la transformation industrielle, le cœur, c'est l'agroalimentaire et c'est l'élevage. L'agroalimentaire, l'élevage et les mines. Nous avons beaucoup de mines, en plus du pétrole et du gaz